Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne New Belge Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est parti pour découvrir un nouveau jeu, un action 3D RPG. C'est Eden Zero Galaxy Pocket. C'est un jeu proposé par Konami, donc c'est ceux qui font Yu-Gi-Oh! Etc. Incroyable, le jeu est en français. voilà. Enfin, nous avons un jeu directement en français. Voilà, une première. D'habitude, hein. C'est pas toujours le cas. D'habitude, hein. C'est d'abord en japonais, en anglais. Enfin, d'abord en japonais, puis seulement en anglais. Donc, pour la première fois, nous avons le jeu directement en français. Donc, ça, voilà. Donc, Eden Zero, hein, c'est l'auteur de Fairy Tail. Hein. C'est qui a créé Fairy Tail. Il a même créé d'autres mangas. Il y a Square Enix. Il propose un autre manga sur Square Enix, c'est Nightmare, Gate of Nightmare. Donc ici, on va découvrir ça. Donc ça a un 3D action, action RPG 3D. Hein. Voilà. On va découvrir ça, oui, en Belgique. Disponible en Belgique. Incroyable. Ouais, on va accepter. Hein. De voir plus tard. On va découvrir ça. Bon. Pour une fois que c'est un jeu directement en français. Ça c'est quand même cool. On va découvrir, hein. Parfois il est pas lourd, hein. Parfois il est pas lourd. Ça fait que c'est un jeu qui risque d'être plus lourd au fur et à mesure. D'abord tout ce qui est 3D, action 3D, RPG, au début forcément ils sont assez légers. Mais c'est au fur et à mesure. Hein. Et c'est des jeux qui peuvent être très très lourds, très vite en fait. Ça c'est les personnages. Bon, je sais pas si vous connaissez un petit peu le manga un petit peu. Voilà. Moi ce que j'en pense c'est sympa, franchement c'est sympa. C'est pas que c'est exceptionnel mais ça reste très sympa. Pour l'instant j'ai que regardé la nuit. J'ai pas encore lu le manga. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa. Forcément ça ressemble étrangement au personnage de Fairy Tail. Hein. Mais bon. Lui le sur Eurola, il fait partie d'un. Enfin il ressemble à un autre manga de même auteur. Disons que c'est c'est pas chiqué mais le chara design c'est le même. Go il a fait plusieurs mangas le gars. C'est Monster. Monster Hunter. Il y a un manga du genre. Et ce gars-là, il ressemble au héros de Monster Hunter. Ouais. Donc voilà. Enfin, moi j'ai l'impression, c'est comme si c'est la plupart de ces persos, c'est du copier-coller, quoi. La différence, c'est juste l'histoire qui est derrière. Hein, mais... Les personnages, voilà, entre Fairy Tail et ça, et Gate of Nightmare. Pour moi, Gate of Nightmare, pour moi, c'est un Fairy Tail numéro 2. Hein. Déjà, ça se passe à la même époque que Fairy Tail. Voilà. Pour ça, le jeu est que en japonais. Je sais pas s'il y aurait une version globale du jeu. Ça va, hein. Là, on sait pas comment ça se passe. Mais ça, c'est une licence directement pour un jeu mobile, en fait. Donc, là, je sais pas si forcément, est-ce qu'on aura des collaborations avec Fairy Tail. Avec le jeu, avec le Nightmare, Gate of Nightmare, peut-être pas, donc peut-être Fairy Tail, hein. C'est pas impossible. Hein.
assez ça fait étrange. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une collab avec Fairy Tail. Parce que voilà, si vous connaissez l'univers de. Cet univers, il y a plusieurs époques, donc il y a moyen que Fairy Tail passe dans le jeu. Voilà, donc. Mais ça parle d'histoire qui est sympa. Hein. Ça veut que les personnages, voilà. J'avoue que les personnages, j'avais un peu de mal. Comme si j'avais l'impression de revoir le même manga. Quoi. Et il y a juste des trucs. On voit que les choses sont quand même différentes. Voilà. Si la plupart des autres mangas c'était du Fairy Tail, entre guillemets. C'est bizarre, mais. Voilà. Là, il reprend les personnages hein, dans le manga. Rebecca qui ressemble. En tout cas, si vous connaissez pas le manga, je vous conseille. Je vous dis que ça reste très sympa. Je dis pas forcément que c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est très sympa, divertissant. C'est divertissant. Après, j'ai pas trop lu le manga. Je ne peux pas trop me prononcer. Hein. Est-ce que j'ai un petit peu. Bah, vous prenez à fond. Forcément, je pense que j'ai dû mater il y a quelques mois ici. Il faut plus d'avoir la saison 2. Bon, ça peut vous en tout dépend de votre collection. Hein. Je pense que je vais mettre en pause et on reprendra. Ouais, donc ça met un petit peu de temps, donc tout dépend de votre collection. Hein. Bon, on va tester un petit peu, hein. Donc aussi, je vous dis, hein, la plupart des jeux qu'on va tester, c'est juste pour découvrir. Hein. Par contre, voilà. Ça, tout dépend du jeu, en fait, si vraiment le jeu est très bon pour le etc. Voilà. C'est vrai que voilà, tester vraiment, tester plusieurs fois. Hein. どんな時でもお前を支えてくれる。
などこ行ったんだ。広場の方がうるさいな。行ってみるか。朝から大勢集まってんな。なんかあったのか。おい、何の騒ぎだよ。レベッカ。どうしたな。そいつは俺の友達だ。他の国から来たんだ。悪い奴らじゃねえ。我々は100年この時を待っていた。外へ行くための船を持つ者、この人間は消す。外の世界へ。何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも上司様に何とか言ってくれよ。人間は敵、我々を見下す道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間の道具ではないという自我が、我々は人間どもに復讐する。この世界は機械が支配するのだ。人間は全て敵、敵じゃ。なんでみんな友達だろう。やめなさいよ。こんなの大負けじゃない。四季はこの国の人みんな友達だって、友達だって言ってたのよ。友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械、共にはなれぬ。友達がいたら一生大切にしなさい。そしてその涙のために戦え。
前ら行け。船じゃないのか。船だけど、外を見て。ここは桜コスモス。これは宇宙を駆ける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら、星がいっぱい浮いてて。ねえ、これが宇宙！私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、シキ・グランベルの冒険の始まりです。Donc voilà. Bon, enfin voilà, très sympa. Pourquoi ça suit vraiment le manga? Si vous ne connaissez pas le manga, forcément, ça va vous spoiler un petit peu. Si vous ne connaissez pas Eden Zero, forcément. Bon. J'étais malin, forcément. Je ne vais pas mettre forcément de vidéo dans le jeu. On va prendre
un certain temps. C'est quoi on va reprendre après. Non quoi. Voilà, comme ça, ça va pas être trop long la vidéo. Je vais essayer d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est une découverte sur Eden Zero. Donc on va continuer la suite. La découverte. Bon, voilà. Donc, assez sympa. Forcément, très sympa. Donc forcément, si vous connaissez pas ce manga, forcément, ça va vous spoiler un petit peu. Je suis un petit peu fidèlement le manga, hein, au cas où. Voilà. Donc là, je vous reprendrai après. Donc, si vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Et abonnez-vous, activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. La suite de cette vidéo. Prenez bien tous un jour. À la prochaine.